Je m'appelle Manon Tandil, j'ai 23 ans et je suis étudiante à la fac de droit de Strasbourg en troisième année. J'ai écrit la nouvelle « Je suis dans le tram » qui m'a permis de gagner le premier prix au concours Louise Weiss. J'ai écrit cette nouvelle un petit peu à la dernière minute, le jour où au dernier jour de dépôt des candidatures. Et j'avais pas eu beaucoup le temps d'y réfléchir. Je me suis lancée. Peut-être que c'est un peu autobiographique, j'en suis pas certaine. Mais le thème étant la blessure, j'ai essayé de travailler sur la blessure de cette jeune fille qui est Lola, qui est étudiante aussi, et qui n'arrive pas forcément à trouver sa place au vu des événements du monde actuel où tout part dans tous les sens. Et le quotidien rappelle à l'ordre où elle est obligée de retourner à la fac tous les matins, où elle est obligée de retravailler alors qu'il se passe des choses affreuses dans le monde. Et elle ne sait pas trop si elle doit en faire partie ou pas. Je suis très surprise, j'ai les mains assez moites à vrai dire. J'étais pas très à l'aise parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant, il y a le président de l'université, on voit jamais le président de l'université, nous on voit les gens de l'administration au quotidien, mais c'est les grandes figures de l'université. Je m'attendais pas du tout à gagner, j'ai écrit ça un peu au dernier moment, j'ai même pas eu le temps de le relire, et puis au moment où je l'ai relu, je me suis dit j'aurais jamais dû écrire ça, là j'ai fait une faute, là c'est pas bien, j'avais une faute d'orthographe, vous vous rendez compte, j'avais une faute d'orthographe dedans, c'est ridicule. Alors, il y a une partie qui va combler mon déficit à la banque et l'autre partie qui pourrait servir à payer un voyage avec mon amoureux pour rejoindre un de ses meilleurs amis qui a déménagé au Canada.